Yo les gens, c'est Tim Martius. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait effectivement hein. Donc on se retrouve sur le Splatfest de Splatoon 2 cette fois-ci. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas effectivement fait de vidéo depuis un petit moment maintenant, ça va faire 11 mois. Donc simplement parce que j'avais une connexion pas top. Et maintenant depuis qu'on a changé d'opérateur, et eh bien on a une super connexion. Et donc on n'a pas la fibre, mais on a la VSL 2 et c'est vachement bien, franchement. Et puis ma Nintendo Switch est connectée en filaire parce qu'apparemment il y a des problèmes au niveau du Wi-Fi. Donc j'ai bien fait. Et donc vous voyez, je suis dans la team vol. Donc c'est le test, c'est vol. J'aimerais avoir le pouvoir de voler, le pouvoir d'être invisible. Et donc j'ai choisi le pouvoir de voler. Donc normalement je ferai une vidéo juste sur le Splatfest. Donc voilà, au cas où vous n'avez pas remarqué, voilà les nouveaux personnages qui sont très très stylés. J'adore. Effectivement j'adore Pearl, je sais pas pourquoi. En tout cas elle est super. Donc là on va aller dans le hall. Je vais vous montrer en même temps la nouvelle arme qui est le liquidateur pro griffé, qui est une arme que je joue. Puisque voilà, j'adore cette arme. Donc il n'y a pas de place pour l'instant pour les festivals. Donc pour l'instant il n'y a rien. Mais donc là ça va rechercher une petite partie en ligne. Là ça va rechercher une petite partie, voilà. Donc je suis un expert en vol et je m'appelle GK Martin. Et donc je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, le lien dans la description en dessous de mon code ami. Et aussi de mon de mes comptes Instagram, Twitter, Facebook et puis surtout Twitter. Il faut vous regarder parce que c'est très important. Et puis voilà, sinon voilà. Donc bah là faut attendre qu'une équipe effectivement invisible vienne rejoindre la partie. Donc d'habitude j'ai plus de chance que ça, mais alors là je ne sais pas ce qui se passait. D'habitude j'ai beaucoup plus de chance. Tout à l'heure j'ai vraiment bien joué, j'ai tombé sur des équipes mais c'était rapide. Bon là effectivement c'est peut-être moins rapide, mais en tout cas les serveurs bloquent beaucoup moins. Et c'est très 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 joli. Ah, ça y est, donc on est avec Splat GK aussi qui est l'un de mes amis. Donc voilà, hein, coucou à lui. Et donc ça va être sur quelle map? J'aimerais bien que ce soit sur la plateforme polymorphe, mais non, je suis pas sûr. Donc c'est sur Gymnase en Crash, qui est une super belle map de nuit que j'adore. C'est l'une de mes préférées, mais le Manta Maria, c'est vrai que la nouvelle map j'adore. Allez, go. Donc l'arme elle est équipée de bombes gluantes et aussi d'un lance-bulle, donc qui est la nouvelle arme, que je trouve pas mal, mais qui malheureusement je trouve que les bulles explosent pas assez rapidement. Vous allez voir. Hein. Donc là, on fait les 3 bulles. Ah, là, il y a eu un petit balance. Donc voilà. Ah, je suis pas utilisé. Ah, il y a quelqu'un là. Donc, il y a quelqu'un là. Donc je ferai des sessions abonnées aussi pour ceux qui veulent. Je mettrai mon code d'ami dans le lien de la description. Donc là, je sais qu'il y en a un là. Voilà, joli à. Vous allez voir Splat GK. Et je sais pas si c'est le bon qui est genre ami ou pas, mais en tout cas c'est un GK, donc c'est cool. Ah, je suis fait avoir par derrière. C'est pas grave, donc pas le heads up. Ah, mon copain, je crois qu'il va l'avoir. Bravo, joli hein. Ah, là. Allez, on va passer avec donc Splat GK qui est aussi la nouvelle arme qui est sortie ce matin. Ah. Hop, je l'ai eu. Donc voilà. Deux. Donc c'est dommage, je n'ai pas fait une vidéo, c'est vrai, sur le Splatfest maillot contre ketchup, c'est dommage parce que c'était un super thème ça. Hop. Donc voilà, donc, hop, les deux buts de façon à qu'elles explosent, voilà. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le lance-bulle, c'est que les ennemis sont concentrés sur les bulles. Et donc, bah, on attend les liquider. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, j'avoue que là. Donc joli, parce que là. C'est vrai que bon, là, on est en train de... Je veux pas dire, mais là, je crois qu'on perd un peu, là. Ouais. Allez, il faut se reprendre en main. On est en danger, donc ouais. Thank you.
là, bon, je pense que ça va là. Ah. Donc joli, HVGK. Donc là, bon, je ne sais pas qui gagne, mais bon, je pense que je sais que dans notre équipe, il y en a deux qui sont morts. On met le lance-bulle parce que comme ça va me permettre. Ah, j'en ai deux. J'avoue que je suis très fort avec cette arme. Enfin, pas pour vanter, mais ça va, je suis assez fort avec cette arme. Ah, une petite bulle là. Hop. Bon, là, on les a gagnés. Hein. Franchement, je pense que là, ouais. Là, on les a battus. Donc, je pense faire deux matchs, je pense. Hop. On a gagné. Donc, c'est cool parce que franchement, les musiques sont géniales. On peut essayer de battre. Donc je vais reprendre les vidéos, mais je vous ferai pas un test sur Splatoon 2 parce que c'est trop tard, mais je vous ferai un test sur le Mario et le lapin crétin Kingdom Battle, qui est un jeu vraiment super que j'adore franchement. Ah tiens, chez Cateran joue à Splatoon 2, donc vraiment qui est un super vraiment super jeu que j'adore moi. Après il y en a peut-être qui n'aiment pas trop, mais donc après j'ai reçu, c'est vrai que j'ai sur ce jeu j'ai eu deux, je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais en tout cas moi sur le jeu Mario Lapin Crétin Kingdom Battle j'ai eu quelques problèmes par moment. En fait bah je jouais tranquillement et là il y avait marqué vous avez quitté le logiciel, ça m'a fait deux fois car une erreur de communication est survenue alors que c'est pas un jeu en ligne, donc ça peut pas venir de ça, donc j'avoue que c'était assez bizarre, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, après, ça devait être peut-être, je sais pas, un problème, tout ça, je sais pas. Donc, c'est vrai que, en tout cas, ce jeu, je vous ferai un test, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Hein. Et aussi, je vais essayer de faire des vidéos, mais je vous promets rien, parce que c'est quand même la rentrée. Ça me fout un peu les boules, la rentrée, c'est dans 4 jours, donc ça me fout clairement les boules. Hein. Bon. Alors là, on est tombé sur... J'aimerais bien vous montrer la plateforme Polymorph, qui est une map qui change, en fait, qui est créée spécialement pour les spacettes et qui change. Bon, bah... Enfin, ce sera Gymnase d'ancrage. Cette map est bien, j'aime bien. Franchement, elle est super stylée. Bon. Allez, Will Joe. Allez, go. Joli. Ah, ça paraît que cette chanson, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Et maintenant, sur les Splatfest, ils mettent 3 chansons. Je trouve ça bien. Ça varie. Ah, là, il y a un mec. Voilà, joli. Donc là, bon, on perd un peu parce qu'effectivement, ils sont plutôt forts en face. Aïe, joli. Ils sont très forts même en face, donc on est un peu dans le caca. Donc, joli à Kara aussi qui en a tué 2, donc... là j'ai pas très bien joué, j'avoue que là Ah on sent que c'est joli. Aïe. Bon, en tout cas là Clara est vraiment forte. Je vais essayer d'en rejoindre un, mais on est rien. Allez, c'est bon, là il y en a un. Donc, là, joli à Clara qui l'a eu. Donc, bah, tout le monde est mort dans l'équipe adverse. Ah, l'autre a utilisé son choc chromatique, c'est dommage. Il fallait l'utiliser quand il y avait des personnes, mais peut-être qu'il y avait une personne, mais c'est bizarre. Ah bah alors. Donc on va mettre une bombe, voilà, de façon à qu'il est... Voilà. Ça fait toujours l'encre en plus, mais... Et j'aime bien ce spécial, parce que aussi j'aime bien la plus d'encre. Hop, je vais le mettre. Hop, ça y est. Joli. Ah non, franchement, la critique est bien. Oh, ça nous a fait tous les deux, bravo. Hein. C'est vrai que les hand zappers sont plutôt forts. Ah, merde, il est mort. Donc, un multi-missile, joli, parce que c'est bien les multi-missiles. Hop. Allez, go. Ah. Joli. Donc, là, il y a quelqu'un. Là j'avoue que là on les a bien aimés, donc je vais passer par là, comme ça sera pratique.